l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, fils de Dieu. Lorsque fils de Dieu, tu entends cela, la Bible dit que Dieu connaît le projet qu'il a formulé pour nous. Le projet de l'Éternel, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc ce que tu dois savoir, fils de Dieu, avant de parler du but de la bénédiction, c'est que la bénédiction, fils de Dieu, qu'est-ce que c'est que la bénédiction? L'apôtre Matthieu, l'homme de Dieu, a posé la question et papa a répondu en disant ceci, que la bénédiction, ce sont les paroles, fils de Dieu. Ce sont les paroles, fils de Dieu, les paroles positives qu'on déclare dans la vie d'une personne, fils de Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est que la bénédiction, fils de Dieu, est un changement de statut. On ne parle pas du côté négatif, mais on parle du côté positif, fils de Dieu. Un changement de statut, ça veut dire quoi? Tu peux être dans une position, fils de Dieu, dans une position A. Tu peux être, je prends l'exemple, comme une personne qui vit dans ce quartier, qui vit dans un studio, et à un moment donné, tu déménages et tu vas vivre maintenant dans un quartier privé où tu as une résidence à toi seul, fils de Dieu. Ça t'appelle un changement de statut, ça t'appelle, fils de Dieu, un mouvement. Ça t'appelle une bénédiction, fils de Dieu. Cela est un de dire, fils de Dieu, que l'Éternel t'a donné une autre bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es monté en grâce, fils de Dieu. Donc lorsqu'on parle de changement de statut, il faut voir le côté positif et non le côté négatif. Parce que celui qui quitte entrer dans une résidence pour venir habiter dans un sucre-bois, ce n'est pas une bénédiction, fils de Dieu. Mais ça t'appelle une malédiction, ça t'appelle une décadence, fils de Dieu. Mais ici nous parlons de l'évolution. Là où on parle de bénédiction, on parle d'évolution. On parle de changement de statut, fils de Dieu. La bénédiction, fils de Dieu, c'est une faveur de Dieu. C'est une faveur de Dieu, fils de Dieu. Celui qui reçoit une faveur de Dieu est béni, fils de Dieu. La bénédiction, fils de Dieu, quand là on parle de faveur, là on parle de fils de Dieu, de grâce, de quelque chose qui n'est pas mérité. Vous voyez? Donc là où on parle de faveur, fils de Dieu, c'est une grâce, fils de Dieu. C'est quelque chose, fils de Dieu, que Dieu vient te donner. Dieu vient compléter à ce que tu as déjà. C'est-à-dire que tu avais quelque chose. Dieu t'accorde encore une faveur. Dieu veut doubler la chose. Dieu veut multiplier la chose. Cela aussi s'appelle la bénédiction, fils de Dieu. C'est-à-dire, de Dieu, le plan A au plan B, fils de Dieu. De 1 à 2, de 2 à 3, de 0 à 10. Ça aussi, c'est une bénédiction, fils de Dieu. Là où on parle de bénédiction, on parle de l'approbation de Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, lorsque tu apprends quelque chose, et que l'Éternel approuve ce que tu as fait, que l'Éternel accepte ce que tu as fait, ça t'appelle l'approbation de Dieu. Ça t'appelle une bénédiction, fils de Dieu. Tu peux faire quelque chose et la chose va être sanctionnée. La chose va être refusée. Là, ce n'est pas une bénédiction, mais ça devient une frustration. Là où on parle de frustration, on parle de chef. Alors où on parle de chef, on ne parle pas de bénédiction. On parle de bénédiction, fils de Dieu, là où la chose est avantageuse pour toi, où la chose te profite, où la chose te permet de grandir, te permet d'avancer, te permet d'évoluer, fils de Dieu. Là aussi, on parle de bénédiction, fils de Dieu. Là, on parle de bénédiction, fils de Dieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu est une grande bénédiction, fils de Dieu. Il est difficile pour nous d'être dans la présence de Dieu. Il est difficile pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. Il est difficile pour nous de nous approcher de Dieu. Il est difficile, tu sais pourquoi? C'est parce que tu n'es pas béni. Mais celui qui est béni aime la présence de Dieu. Celui qui est béni, il est avec Dieu. Il prend des moments de jeûne, des moments de prière. Il s'approche de ton Dieu, fils de Dieu. Parce que être dans la présence de Dieu, c'est l'une des plus grandes bénédictions qu'un chrétien doit rechercher, fils de Dieu. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu est exposé aux attaques du diable. Mais lorsque tu es dans la présence, fils de Dieu, il y a une sécurité autour de toi. L'impossible devient possible, fils de Dieu. L'échec est obligé de disparaître, fils de Dieu. Le malheur est obligé de devenir bonheur. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de celui qui pourvoira toutes choses. Tu es dans la présence de celui qui a la possibilité de changer les données, de changer les circonstances. Celui qui a la capacité de te lever, fils de Dieu. Donc être la présence de Dieu, c'est une bénédiction, fils de Dieu. Si tu penses que être la présence de Dieu, c'est une perte de temps, c'est que tu n'as encore rien compris, fils de Dieu. Être à la présence de Dieu n'a jamais été une perte de temps. Mais être à la présence de Dieu, c'est une très très grande bénédiction. Parce que tu ne peux pas recevoir d'une personne si tu n'es pas dans la présence de cette personne, fils de Dieu. Je ne peux pas recevoir du Père
si je ne suis pas chez lui, si je ne suis pas en contact avec lui, pour que je puisse recevoir de lui, pour que je puisse être avec lui, je puisse être en contact avec lui, je puisse être dans sa présence, je puisse être près de lui. Aussi longtemps que je suis en contact avec lui, je reçois de lui. Aussi longtemps que je marche avec lui, je reçois de lui. Aussi longtemps que je parle avec lui, je reçois de lui, Père Dieu. Mais si je vais loin de lui, je ne pourrai recevoir. Donc être à la présence de Dieu est une bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que personne ne peut aller dans sa présence si Dieu ne l'a pas conduit. Dieu, sachant que c'est une bénédiction, il ne permet pas que personne de venir dans sa présence. Parce que lorsque tu es dans sa présence, tu ne retrouves pas tel que tu es entré de Dieu. Jacob a été béni lorsqu'il est retrouvé dans la présence de Dieu. Il a dit, tu ne partiras pas tant que tu ne me bénis pas. Donc celui qui est dans la présence de Dieu peut parler à Dieu, peut lui adresser ses prières, ses supplications, peut lui adresser, Père de Dieu, ses besoins, peut lui donner une liste, peut lui poser certaines choses par sa parole, au travers de sa parole, Père de Dieu. Mais il est important de savoir que la présence de Dieu, c'est une bénédiction. Là où tu es ce matin, c'est une bénédiction pour toi, Père de Dieu. Tu dois te considérer comme une personne qui est déjà bénie. Pourquoi? Parce que ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Beaucoup n'ont pas cette grâce d'être dans cette présence. Mais toi, si tu es dans cette présence, c'est déjà une victoire pour toi. C'est déjà un pas énorme. C'est déjà une bénédiction, Père de Dieu. La présence de Dieu est une bénédiction qu'un enfant de Dieu doit chercher continuellement. Doit chercher quotidiennement. Doit chercher tous les temps dans sa vie. La présence de Dieu, Père de Dieu, c'est quelque chose qui est très très important, Père de Dieu, pour nous. Maintenant, lorsque Dieu te bénit, Père de Dieu, il y a des choses que Dieu attend de toi. Vous savez, Dieu ne nous bénit pas parce qu'il doit nous bénir. Mais si Dieu nous bénit, c'est parce qu'il attend quelque chose de nous, Père de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, Père de Dieu, premièrement, c'est l'humilité, Père de Dieu. Vous savez, beaucoup sont bénis, mais ils ne sont pas humbles. Et à cause de ce qu'ils ne sont pas humbles, ils ne peuvent pas grandir dans les bénédictions. Ils ne peuvent pas évoluer dans les bénédictions. Ils ne peuvent pas croire dans les bénédictions. Leur bénédiction est limitée. Souvent même, Père de Dieu, les bénédictions se courent. Parce que la Bible c'est ça. Que Dieu élève les humbles, mais il abaisse leur orgueilleux, Père de Dieu. Dieu ne nous bénit pas pour que nous puissions lever nos épaules, pour que nous marchions sur les autres. Mais Dieu nous bénit pour que nous démontrons combien de fois nous sommes humbles. Ceux qui sont réellement bénis sont humbles, Père de Dieu. Ceux qui sont réellement bénis, ce sont des personnes qui sont humbles. Mais ceux qui commencent à la plupart, ceux qui ne sont pas humbles, c'est que tu commences à toucher la bénédiction. Il y a longtemps qu'il est dans la galère, il y a longtemps qu'il a marché, il y a longtemps qu'il mange garbat. Donc quand il commence à voir un peu, c'est un comportement, il va dire ok, le garbat d'Aoussala n'est pas tout. Lui, d'Aoussala, il y a ça dessus, il y a ça dessus. C'est là maintenant, il va commencer à dire que là où il vit, là, ce n'est pas normal. Il faut qu'il te ménage, il faut qu'il avance. C'est là, il va commencer à dire que si avec une marche là, si avec une marche là, ne sont pas de sa classe, ne sont pas de sa catégorie. Ça, ça ne s'appelle pas de l'humilité. Dieu nous appelle à être humble. Dieu nous appelle, Père de Dieu, à être aussi généreux. La générosité. Être généreux, ce n'est pas donner au premier venu. Mais être généreux, c'est donner aux nécessités. Être généreux, Père de Dieu, c'est savoir donner à qui est dans les besoins. Parce que souvent, on pense que être généreux, c'est dilapider ses fonds. Si tu dilapides tes fonds, tu n'es pas généreux, Père de Dieu. Non, tu n'es pas généreux. L'au-delà, ce n'est pas parce que tu donnes au prix de venu, ce n'est pas parce que tu dilapides ton argent, ça veut dire que tu es généreux. Non. Tu es un mauvais gérant, mais bien de l'éternel. Tu n'es pas un bon gérant, mais un gérant. Quelqu'un qui est généreux, Père de Dieu, c'est celui qui se soucie de la vie des autres. Lorsqu'il voit une personne dans la souffrance, il est prêt pour lui apporter la compassion, pour lui apporter sa contribution. Il se soucie de sa situation des vies, Père de Dieu. Il part parce que besoin ne s'est pas senti. Il faut le secours des gens parce que c'est nécessaire, parce que les personnes sont dans les besoins.
l'exemple de Dieu qui aide les pauvres, qui en ont besoin d'aide. C'est une personne qui donne à ceux qui en ont besoin. Une personne généreuse, c'est pas parce que tu es généreux que je dois donner à quelqu'un, tu vas le dilapider. Je vais donner à quelqu'un qui croit, un jour là, qui n'a pas de projet. Il n'a pas de projet, paix de Dieu. Mais comme il est, comme je suis généreux, je lui donne. Non, je ne suis pas en train de lui faire du bien. Mais je suis en train d'empirer sa situation d'alcoolique, paix de Dieu. Je suis en train de lui dire que tu n'as plus moins de l'air. Maintenant, il faut boire les vins. Parce qu'il y a encore des sommes qui lui permettent d'acheter le vin, paix de Dieu. Mais une personne généreuse, paix de Dieu, tu dois aider les personnes à réaliser leurs projets, à atteindre les objectifs, paix de Dieu. Est-ce que tu m'attends ce matin? Le but de la bénédiction. Le but de la bénédiction des grands de Dieu. Lorsque Dieu nous bénit premièrement, c'est pour que nous lui rendons toute la gloire. Dieu nous bénit, paix de Dieu, vraiment pour que la gloire nous revienne. Mais c'est pour que nous lui rendons toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire à quoi faisons? En étant reconnaissant, paix de Dieu. Lorsque tu es reconnaissant, paix de Dieu, aux bénédictions de l'Éternel, lorsque tu lui donnes la première place à ta bénédiction, paix de Dieu, c'est une manière pour toi de donner gloire à Dieu. Je ne te bénis pas, paix de Dieu, pour que tu puisses te mettre au-dessus de lui. Parce que ce n'est pas toi qui lui donnes la bénédiction. Parce que c'est lui qui t'a donné la bénédiction. Donc il est important de rendre toute la gloire à Dieu, paix de Dieu. Dieu nous bénit, paix de Dieu, pour que nous soyons des sources de bénédiction. La bénédiction, paix de Dieu, ce n'est pas pour nous seuls, mais c'est pour que aussi nous puissions participer à la fonctionnement de l'œuvre de Dieu. C'est pour que nous puissions voler au secours des veuves et des orphelins, paix de Dieu. C'est pour que nous soyons, paix de Dieu, des bénédictions pour notre famille. Des bénédictions pour notre génération. C'est que nous soyons des témoignages vivants, paix de Dieu. Beaucoup ont été gagnés en Christ.